un travail sans répit. Tout comme un mujahed sur la scène du djihad, la cible est le ciel infini et la destination se rapproche de Dieu. Observer le croissant de la lune par avion est une question de jurisprudence. Il s'agit de savoir si c'est admissible ou non. Il se pourrait qu'on se demande que faire si on devait voir une altitude de 11 km le croissant de la lune, alors que personne ne vit à une telle altitude. Un tel rapport n'est pas légitimement juste. Il faut accepter les vicissitudes du voyage et s'envoler au bord d'un avion, au-delà de l'horizon. Que tout est beau ici. Il se peut que certaines personnes observent le croissant de la lune depuis la Terre et qu'ils se trompent. Ou bien il arrive parfois que le ciel soit gris et nuageux. Il s'agit de facteurs censés affirmer ou rejeter l'observation du croissant de la lune. Mais ils ne sont les seuls facteurs sur lesquels le fixe s'appuie pour confirmer le croissant de la lune. Si on pose le facteur de prendre distance de la Terre, on doit parler de satellite. Il faut prendre de distance de la Terre pour mieux observer la Lune. La question est de savoir quel moment il faut choisir pour observer le croissant de la Lune. Cela a été une tâche très difficile, mais elle a été accomplie par les observateurs expérimentés et dotés de grandes capacités de calcul. Ils sont entre 30 et 40 personnes, ils sont constamment au téléphone toute la journée, du matin au soir. Ils examinent tous les rapports. Le 28e jour, ils annoncent que le croissant de la Lune est vu, observé. C'est très important si dans un endroit, on ne parvient pas à observer la Lune avec même des instruments sophistiqués. Et dans un autre endroit, il y a des personnes expérimentées qui peuvent observer à l'œil nu la Lune, même si le ciel est nuageux. Et si vous les comparez, vous allez comprendre. L'erreur provient des observateurs. Nous allons parler avec eux l'un après l'autre en leur demandant quand vous avez observé la Lune, à quelle heure ou comment était le croissant de la Lune. Vous l'avez observé combien de minutes après le coucher de soleil? Comment vous l'avez vu?
La fatigue n'a pas de sens. C'est un état qui n'a pas de sens dans un travail collectif. On laisse de côté ce qui est faux et on le distingue de ce qui est correct. Les résultats constituent un rapport complet. On envoie ce rapport au bureau du guide suprême de la révolution islamique. Il lui revient d'annoncer les premiers et derniers jours du mois béni de Ramadan et de déclarer le début du mois de Shawwal, soit la fête de Fitr. Si je ne me trompe pas, dans la crépuscule du mercredi, le 12 septembre, un grand nombre de nos amis étaient prêts dans différentes régions de l'Iran pour observer la lune. J'ai précisé les contours du plan de l'observation. L'Iran est presque divisé en deux parties. Dans la partie nord, il est impossible d'observer le croissant de la lune, alors que dans le sud, le croissant peut être observé par des télescopes de différentes tailles. J'ai précisé cette région par une ligne rouge. Non, lorsque je parle d'une ligne de rouge, mes amis pourraient penser qu'il s'agissait d'une simple ligne rouge alors qu'il s'agit d'une région de 100 km de large. Cela ne peut être comme un ruisseau ou bien une rivière. Allons sur l'autre côté de la rivière pour voir si on peut voir le croissant de la lune. On revient à l'autre côté de la rivière et on dit « on ne peut pas observer le croissant de la lune ». Il faut rendre hommage à un tel travail. Il faut solliciter Dieu pour les aider dans cette tâche. Ce si beau travail. Nous allons au banquet de Dieu. Et le Seigneur est notre hôte. Il nous attend. Bien qu'il ait dit, appelez-moi, je vous répondrai. Le mois de Ramadan est autre chose. Chacun de ces instants est beau.